père de famille. Et je me suis posé la question, comme les autres parents que je représente dans l'association, quelle offre est la plus adaptée pour mes enfants? La création de l'école autonome auxiliatrice, c'est un projet d'un groupe de parents de Rennes, de l'association de parents du Pays de Rennes pour l'enseignement et la diffusion de la science, l'association Apprend, dont je suis le président. Nous sommes partis de plusieurs constats, trois constats pour être très précis. Le premier constat vient de l'éducation nationale. 5% des enfants, des petits-enfants qui vont déjà à l'école maternelle, ils vont avec la boule au ventre, le mal-être à l'école. C'est un constat qui est tout de même alarmant. Et un deuxième constat qui l'est encore plus, qui vient toujours de l'éducation nationale, c'est que 20% des enfants qui accèdent au collège sont illettrés. Donc ça, c'est préoccupant. Et le troisième constat, qui découle finalement des deux autres, c'est que de plus en plus de parents ne retrouvent pas dans l'offre éducative existante, que ce soit l'éducation nationale ou non, parce qu'il y a beaucoup d'écoles indépendantes finalement, ils ne retrouvent pas dans cette offre éducative la solution pour leurs enfants. Alors l'école est ce qu'on appelle une école du premier degré, donc on reçoit les enfants jusqu'au collège, donc tout le primaire. Donc nous recevons les enfants pour... alors c'est pour l'école, hein, donc c'est pas une garderie ici. Il n'y a pas de crèche, pas de garderie, donc les enfants viennent et c'est tout de suite l'apprentissage de la lecture. Ouais. Donc voilà, il y a tous ces niveaux du premier degré. Les enfants sont encadrés par deux institutrices, deux maîtresses, l'une d'elles étant la directrice de l'école, et qu'ils sont toutes les deux assistés par des bonnes âmes. Parce que quand j'ai rencontré les Ducassé, en fait, je pensais avoir un petit poste, et ils m'ont dit que c'était une création d'école, et que je serais libre au niveau pédagogique. Alors là, c'est un challenge pour une institutrice en fin de carrière. Liberté pédagogique, c'est extraordinaire. Je ne pensais pas que ça m'arriverait un jour. Alors, je suis père de famille de trois jeunes enfants. Donc, l'aîné actuellement est ici, donc Notre-Dame auxiliatrice depuis 2 ans. Elle est en grande section et nous avons deux garçons derrière qui sont un peu plus jeunes, qui sont pour l'instant en école à la maison puisque ma femme est institutrice. Donc, je cherchais vraiment une école catholique. Irène avait commencé donc à Saint-Malo dans le public, puis dans le privé sous contrat, et la Providence a fait que nous avons pu avoir la joie, donc depuis l'année dernière, de pouvoir l'intégrer ici dans ces petits effectifs pour vraiment avoir une éducation qui soit cohérente avec l'éducation qu'elle a à la maison. Nous commençons par les en maternelle, nous les prenons à partir de moyenne section, grande section et CP, ça fait un peu une unité, et on passe beaucoup par la méthode Jean Kiry, qui a l'avantage de faire chanter les enfants, et c'est vrai que nous on chante beaucoup, aussi bien la prière, pour les mettre en rang, pour partir en récréation, qui associe les gestes, donc qui est très bon pour les auditifs, pour les visuels, et qui permet de lire aussi avec des petites fiches. Et donc ça fait, pour les kinesthésiques, il y a aussi l'approche donc gestes, chansons et visuels, qui est une globalité, et ce qui fait que ces enfants-là, même avec difficulté, hein, puisqu'on a les enfants de tous les niveaux à l'arrivée. En général, en fin de CP, ça vient lire, écrire, compter. J'ai oublié de même compter tout à l'heure, c'est important. Et j'insiste, ils ont de l'orthographe. C'est-à-dire qu'ils savent écrire tous les mots sans piège. L'école, dans son approche pédagogique, a voulu décomposer l'offre éducative en deux piliers. Le premier, c'est donc les enseignements fondamentaux. Et bien sûr, très important, probablement même le plus important, c'est le catéchisme, l'enseignement religieux. Et après, nous avons toute une partie découverte. C'est ce qui fait, dans une certaine mesure, la spécificité de l'école.
Et donc, la partie découverte, donc ces enseignements découvertes, on les a divisés en trois catégories. Nous faisons découvrir la nature aux enfants par différents ateliers, notamment le potager. Les enfants ont un potager. Donc, ils apprennent à cultiver avec les maîtresses. Les enfants découvrent la nature, les animaux. Alors, le cadre de l'école s'y prête bien. On est juste à côté de la ville, mais en pleine campagne, entouré de fermes biologiques, il faut préciser. Ensuite, il y a la découverte de l'art de manière générale. Alors, il y a la musique, le dessin, c'est peut-être les plus connus, mais de manière générale, voilà, la découverte de l'art et la découverte du monde professionnel. Nous organisons donc des visites. Les enfants ont été visités la boulangerie, ils ont été faire une visite de l'apiculteur, des fermes bio, ils ont été visiter les pompiers, enfin bref, il y a différentes visites qui sont organisées. La petite structure permet de faire ça plus facilement. Et nous avons également la visite de professionnels à l'école. Nous avons eu l'électricien qui est venu, mais également un sculpteur sur bois. C'est fort intéressant, on connaît même plus ce métier. Alors le plus important, c'est vraiment la cohérence de l'éducation, c'est-à-dire une éducation qui soit vraiment catholique dans toutes les phases en fait de la journée et de la vie, que ce soit bien sûr dans l'instruction, mais aussi dans la prière, mais même dans le comportement lors des jeux, mais même lorsqu'elles sont en train de prendre un repas. Hein, tout est vraiment fait pour que l'enfant puisse être élevé dans un univers catholique, à proprement parler. Ce qui n'est pas le cas dans les écoles sous contrat, qui n'ont pas la liberté d'action. Ça, c'est vraiment le deuxième grand critère, la liberté d'action, de pouvoir donner l'éducation que désirent les parents. Dans notre entourage, en fait, on a beaucoup d'amis qui sont en région parisienne et qui aimeraient pouvoir bénéficier de ce type d'éducation. Et donc, je pense que cette région du nord de Rennes va pouvoir attirer beaucoup de familles, des familles nombreuses, des familles qui sont vraiment qui cherchent hein, une éducation globale et complète. Voilà, on en parle beaucoup entre amis, et donc c'est vraiment donc une résurgence hein, de l'école qu'on pouvait la connaître, je pense, au XVIIe siècle, ou plutôt des précepteurs. Mais là, on est aussi sur une économie de moyens, une concentration des forces. On a quelques familles, on a quand même que 13 élèves avec deux institutrices. C'est quand même formidable au point de vue personnalisation du suivi de chaque enfant. Et donc ça, c'est vraiment une grande grâce, on a beaucoup de chance. J'avais l'habitude de vieux livres dans lesquels j'étais parfaitement à l'aise, donc retrouver les livres, tout penser mon programme tel que j'aurais rêvé de le faire, même si c'est jamais parfait. Donc voilà, c'est liberté pédagogique et puis liberté d'enseignement au niveau religieux aussi, puisque moi je dissocie pas le corps, l'âme et l'esprit, c'est un tout. Je passe mon temps à dire aux parents que la France des années 1950 était excellente, donc on reprend les bases. Donc une très bonne préparation à la lecture et écriture. Ensuite, une année de CP, on ne va pas trop vite, mais on met vraiment les bases de la lecture et de l'orthographe, puisque l'un ne va pas sans l'autre. Du calcul de base jusqu'à 100. Et là, on rajoute les méthodes découvertes depuis 50, justement, par Madame Weissheim-Badour, puis par Madame Huitz, tout ce qui travaille le cerveau et comment le cerveau apprend. Voilà, on a juste rajouté ça aux compétences qu'on avait déjà dans les années 50. La petite structure permet que le temps passé avec l'enfant soit plus qualitatif. Voilà. Ça permet de se concentrer davantage sur la diversité des enfants. Et par diversité, j'entends la diversité, alors c'est un terme que je vais inventer, pédagogique. C'est-à-dire que les enfants ont tous une approche différente parce que leur cadre familial a un impact sur leur...
sur l'approche de la lecture, sur l'approche de l'apprentissage de manière générale. Je pense que c'est une priorité d'investir pour l'éducation de ses enfants. Et donc, c'est liberté d'action déjà, parce que c'est vraiment, on doit, aujourd'hui on est très très contrôlé, on est vraiment muselé, on est vraiment contraint. Hein. On a un État qui devient de plus en plus policier. Il faut savoir réagir pour pouvoir reprendre l'initiative et reprendre la direction, au moins de l'éducation de ses enfants, puisque c'est une mission principale des parents. Hein, donc ça, cette liberté d'action, concentrer les efforts en prenant plusieurs familles et en essayant vraiment de concentrer tous les talents, tout en étant dans une économie de moyens, parce qu'on n'a pas besoin non plus de faire des écoles immenses. Hein. L'important, c'est d'avoir une petite structure souple et puis d'être cohérent avec son éducation. Alors, on peut aider l'école de manière différente. Premièrement, en parlant de l'école. C'est très important. Il faut le bouche à oreille, les réseaux, c'est ce qui fonctionne le mieux. Il faut parler, il faut que les familles soient conscientes qu'il y a une offre alternative. Bon, et bien entendu, il y a l'aspect financier, les sous-sous. Ça, c'est le nerf de la guerre. On a besoin en permanence de sous. La scolarité couvre... D'une année sur l'autre, ça va varier, mais au maximum, les scolarités vont couvrir 30% du budget annuel de l'école. Donc nous comptons sur les bienfaiteurs. Aidez-nous, trouvez-nous les sous, parlez du projet autour de vous. Les bienfaiteurs sont tous, petits et grands, des soutiens puissants de l'école. Thank you.